Electro. Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Miss Kira. Aujourd'hui on se retrouve sur Penumbra Overture avec Black Gunner. Salut à toi. Salut, ça va bien? Ça va et toi? T'as pas trop peur? Je suis vachement enthousiaste à jouer à ce jeu là. J'imagine. Alors eh bien pour... Bah, je te laisse déjà te présenter, excuse-moi. Alors moi c'est Black Gunner 39, comme elle l'a dit. Et je suis un geek. Déjà, qui fait 2-3 petites vidéos et tout, et j'ai que 50 abonnés. Alors bon, on s'en passe un petit peu. Voilà. Et tu fais des vidéos principalement sur tous les jeux. Tous les jeux, t'es multigaming. Mmh. Voilà, exactement. Ok, d'accord, ça marche. Et bien, donc, je t'ai. Tu m'as envoyé un message, j'ai répondu et je me suis dit bah tiens on va l'inviter puisque j'ai posté sur Twitter, ceux qui me suivent sur dessus, que en ce moment je cherchais des petits talents YouTube pour les aider un petit peu à grimper, hein, de passer de 50 à beaucoup plus bien sûr. Puisqu'on a fait la même chose pour moi, donc je me suis dit, allez, Black. En toute gentillesse. Ah bah ça me fait plaisir, hein. Bah moi encore plus que pour ça t'as une star que... Attention, c'est toi la star que j'ai à un moment. Ouais, c'est ça bien sûr. Bon et eh bien alors comme je vais juste commencer à faire new game et je vais en même temps vous raconter l'histoire de Penumbra. Donc Penumbra c'est un jeu survival horror du style Amnesia. C'est le même éditeur et donc, eh bien, on va devoir survivre et chercher des choses. Et ça fait peur surtout. Hein? Ça fait peur surtout. Ouais, ça fait peur. Donc, bon bah, nouvelle partie, normal. Je sais pas par contre si je laisse. Non, on va peut-être pas laisser la cinématique, c'est long et chiant. Non. Loading. Loading. Oh, loading. Ah, moi il est en français le jeu. Je comprends pas si l'anglais moi. Donc. Ah bon bah une bouteille d'alcool ça commence bien. Ouais. Alors finally we're almost docked. I'd better show my gear. I may be. Alors attendez. Finalement nous y sommes. Il y a des mots que je ne comprends pas. Presque à quai. Je faisais mieux de rassembler mes affaires. Je suis peut-être loin de chez moi, mais je peux encore ramasser des objets avec bouton souris gauche et les observer de plus près avec bouton souris clic droit. D'accord. Ah. Mais c'est merci traducteur. Oh tu sais trop bien parler le français toi, l'anglais. Ah non, c'est parce que c'est la traduction. Non mais je sais, mais je fais exprès. Hop là. Bon déjà je prends une bouteille, je bois un coup. Tu merde, peux pas boire. Attends, moi aussi je prends une canette. Ouais c'est une canette. Ah ça c'est excellent ça. Bon alors, eh bien je vous je vous cache pas que eh bien, j'ai commencé à faire le début, même plus. Déjà en jouant à la démo, qui m'a fait très peur. Oula, il y a une trace de. Oh, mais les crassous, quoi! C'est quoi ces traces de merde là? Ou de rouille? Ou... Non, pas de rouille, mais. Des lettres. Ouais, pour la lettre, vous mettrez pause pour la lire. Hein. Ouais, parce que bon, moi je lis pas, moi. Blablabla. Y a rien de spécial. Au pire, vous irez sur la vue de Black et puis. Comme ça, vous l'aurez en français. Donc, alors. Hop, on va ouvrir le tiroir. Oh! Il me gêne un peu ce sac là. Hein? Il me gêne un peu ce sac là. Un sac qui m'empêchait de bouger. Ah! T'imagines, un sac qui t'empêche de bouger. Ouais, t'as vu ça? C'est malsain, je suis désolée. Alors. Bon, le début je l'ai déjà fait, je suis arrivée à un certain point, donc ça on va le faire à la speed, hein, puisqu'il y a... Attendez, j'ai oublié un truc moi. Non.
Je dois aller au plus vite. J'ignore où je suis. Ah, c'est bon. Bon. Eh ben, le mec, il se retrouve à plein milieu de la neige, il sait pas pourquoi. D'accord, le mec, il pète pas les plombs un peu, là. Je sais pas, non, j'ai, vu que j'ai pas lu le début, ben... Je sais pas trop... Ouais, bah moi, je relirai en regardant ma vidéo après. Alors, on va prendre une petite pierre. Ah oui, c'est vrai, faut lâcher la pierre dessus. Oups. Oh, merde. Non, bon, attends, tu vas réussir à ouvrir la porte maintenant, la trappe. Ah oui. Ah putain, j'avais galéré pour la trappe, hein, la première fois. Parce qu'en fait, dans la démo, on a testé la démo avant, puis la démo, bah... C'est un petit peu le début, donc... Bon. Casse-toi. Ah. Allez. Casse-toi. Mais putain, mais tu vas te... Voilà. C'est pas compliqué. C'est quoi ces bruits, là? Quoi? C'est quoi, j'entends des bruits de... Pas de bordel, quoi. Ok. Non, bon jeu, hein. Le mec a pas trop fumé. Mais oh, j'ai pas fumé. Ah, ça bug totalement, en tout cas. Enfin, j'aurais dû installer un patch avant pour régler les problèmes. Non, moi ça va, nickel. Ça frise peut-être un tout petit peu, mais bon. Ah oui, c'est vrai, on peut prendre les lampes. Donc là, je vais prendre... C'est la lampe, en fait, qu'on voyait là, à pile à côté, là. Donc je préfère prendre le petit truc fluorescent là, comme j'avais fait un petit peu le début, bah je sais un petit peu quoi. Alors bon, on se réveille, enfin réveille non, on tombe du trou comme ça, je sais pas comment il a fait le gars. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, il est tombé et il s'est évanoui comme un con, tu vois. Oh, le boulet quoi, le boulet. Voilà, je crois que j'ai baissé un petit peu les qualités du jeu quoi, pour à peine moins friser. Ah ouais, mais non, approfondis-moi les jeux. Bon bah tant pis. Hop. Donc voilà. Cette porte là on peut pas l'ouvrir. Le bruit de la porte qui grince. J'espère que le début ça ressemble à la démo, qu'il y aura pas un monstre ou je sais pas quoi là. Ah oui, mais chut, faut pas spoiler. Oui, non, mais bon, logiquement il y a des monstres. Hein. Logiquement, mais personne n'est censé savoir. Oui, c'est vrai. Pardon. Chut, laissez. Tais-toi. Un secret. Tout avec mon petit marteau. What the... Le son du jeu n'est pas très fort parce que j'ai trop peur d'avoir peur. Oula, okay, je l'étouffe. Kira s'étouffe, elle est malade. Putain. Pardon. Il me semblait qu'il y avait un truc là, non? Non. Mais ouais. Pourquoi ça tremble? Vas-y, expliquez-moi. J'ose pas ouvrir. Ah mais c'est d'où on est, ça. Donc oh là là, j'ai trop peur. T'en es où là, Kira? Bah moi je... C'est bon, moi je suis arrivé de l'autre côté de la pièce. Ouais, moi aussi. Là je viens d'ouvrir la trappe là. Attendez, je vais me rééquiper mon marteau. C'est moins dangereux comme ça. Oh, oh. Ah, j'avoue, ça fait trop peur. T'as vu, tu vas taper la poussière là. C'est net. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as trouvé là-dessous? Marteau! Prends ton marteau et maintenant... Oh non, non, mais là j'ai peur d'avancer là. Ouais, mais attends deux secondes. Parce que là, j'ouvre la trappe. A business. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Arrête! J'ai entendu un bruit. C'est pas drôle, ça fait peur. Vas-y, prends ça, tu lui fous dans la gueule. J'ai jamais un truc qui arrive là. Oh, y'a une carte! Get out! Y'a une carte, je suis là! Oh, oh! Eh! Fais. Allume ta torche, enfin ta glow stick là! Pourquoi? Bah, regarde, et regarde la carte après. Alors, there could be anything living down here. Eureka for the good of the people. I'm not taking any chances. If I face off. If. Carte, et ça face off. Ah, je dis la carte, elle a rien, ça change pas en prenant le truc, hein, je te le dis. Blablabla. Oui, en fait, quand tu appuies sur G et la carte. Oh, magique, ça se transforme. Y'a rien qui se transforme, qu'est-ce que tu dis? Bah, si, regarde. Hop. Bah, non. Lumière, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Oh putain. Enfin, bref, là. Non, là, franchement, je suis pas rassuré du tout, là. Oh, un rat, c'est un bruit de rat. Pardon.
Moi je cours. S'il y a un truc qui s'approche, on peut le tuer à ton avis ou... Ouais, fais gaffe. Non mais nous on peut le massacrer ou pas? Non, non. Dans la tronche. T'es sérieuse? Oui. Ah, tu vas me faire peur à moi aussi. cours, ouvre la porte. Je vais à office. Putain, elle m'a fait peur, fou de porte. Ah, moi aussi, je vais dans l'office. J'ai couru. Ah, d'accord, je pensais que j'allais pouvoir sauvegarder avec ce truc, mais en fait, non. Tu peux juste le récupérer. Pourquoi faire? Bon, attends, là, j'ai économisé les piles de la batterie en prenant mon... Alors, j'ai ramassé un briquet vide. Oh, écoute! T'as l'impression qu'il y a un mec qui se tripote derrière la porte. Eh oh. Il fait... Censure. Ça devient sexuel, attention. Pardon. Moins de 18 ans. Voilà. It's locked. Ok. Ah, c'est quoi? Ah, c'est des médicaments. Bon, ça veut dire qu'on va souffrir. Ah, pourquoi il est fait... Ah merde, il est bloqué le coffre. Ballon de foot. Bon. Basketball, on fait du basket, attention. Couche, couche. Et panier. Oui. Ça s'est ramassé sur ma gueule. Ouais, je suis trop forte. Ouais, donc quitte ta non. lettre. Non, je suis pas forte. Du clé. Non. Non. Hein, je sais pas. T'as dit que je suis pas forte. Tant pis, c'est pas grave. Y'a des trucs. Oh là-dedans, non, je crois pas. Ah, j'en ouais, des piles. Mais il y a combien de trucs à lire là? J'aime pas lire, moi. What? What's the... Huh? What the hell? What just happened? Un homme. I don't know if that was such a good idea. Attends, t'as rentré dans la lampe ou je sais pas quoi là? Wesh. Attention, encore le mec qui se branle. Attends, je vais monter un peu de son du jeu là. C'est excellent quoi, n'importe quoi. J'ai monté un petit peu le son du jeu. Alors, hop. Get out! Oh oh. Oh oh oh. T'as entendu le loup ou quoi? Attends, je retourne et je reviens parce que. Dès que petit tu vas quitter la technique, pièce. Frappe, ça a cessé de fonctionner. Ok! Non! Oh non non! Bon. Je redémarre. Donc pendant ce temps-là, je vous mettrai une petite image rigolote. Oh putain de chien! Oh putain de coup! Oh là, j'ai trop peur! Ouais, j'ai peur à cause de toi là. Ah non, vite! Mais pourquoi vite, t'as craché cette putain de porte? Oh. Il était pas là ce chien avant! Oh là là. Je fais une crise cardiaque. Oh non putain, j'ai peur. Donc je vais redémarrer. Fraps. Pourquoi il a craché? Hein? Hein? Bon. J'ai crié trop fort. Oui, je crois que c'est ça. A man, an old man, clenching something unseen. He's stringent yet, he's not... Non, ta gueule. Ouais, voilà. Oh, ok, d'accord, tu me dis ça, quoi. T'es sympa. Non, oh, c'est confirmé, c'est tout. Ah, il m'a fait trop peur, le chien. Continuer, voilà. Espérons que je vais recommencer dans le office là. Ouais, c'est bon. Ça va, ça sauvegarde pas de trop loin. Là, j'ai déjà ouvert normalement. Ouais, mais moi j'ai eu peur. Ouais, mais maintenant j'ai peur de sortir de là, moi. En plus, j'ai entendu un loup, tu vois. Le truc, je me dis, oh, mais en fait, il y a rien parce que la dernière fois je l'ai fait, il y avait rien. Et en fait, je l'ai vu à droite, j'ai eu trop peur, quoi. Attends, je recule de mon écran, puis ça, je suis dans le noir et tout, je stresse à mort. Arrête, je comme ça, je pars avant même. Bonjour, je m'appelle. Attention, on va faire. Si vous reconnaissez pas les gens, la scène du jeu, enfin le jeu, vous êtes nuls. Waiting, wait, wait. Je crois que si on est sur les tonneaux, il peut je vais sauvegarder la partie. Ah, tu crois que si on est Lian. Sur les tonneaux, il peut nous choper. C'était, j'ai peur maintenant. Ah, ça bout de dire. Cours ! Cours ! Y'a pas de porte là ! Vite, cours, cours. Là, y'a une porte. Oh, rentre ! Non, c'est fermé ! Oh ! Oh mon dieu, c'est terrible. Je l'ai pas encore croisé, hein, mais j'ai pas envie de le croiser.
Ah, pourquoi t'as fait court alors? Parce que j'ai peur. Carrément. Entre, Adam, entre. Je sais pas si j'y suis allé là-dedans, je me suis paumé, je crois. J'aurais dû me mettre en easy. Easy, easy. Tu mets en normal. Oh putain, mais c'est. Putain de bruit de porte de merde. J'ai trop peur ces bruits de porte. Big Book of Explosives. Ah, il faut un string. Oh, il faut un string. Préférablement coton. C'est là que Black Gunpowder. Et Black String. Merde. Et... en train de faire des touchements sexuels là. Pardon. Et où? Fais attention hein. Oh. 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 Fais attention. J'ai un coup de pile là de lampe là. Ah, y'a des cailloux là-dedans. Y'a quoi dessous? Y'a rien. D'accord, ça sert vachement à quelque chose d'aller là-dedans. Y'a le monstre en dessous. Arrête. Si. Bah vas-y. Et moi j'ai peur de retourner du coup hein. Ah, il y a des piles, c'est bon. On va se calmer, y'a rien du tout. Le chien, tu n'as vu qu'une illusion. C'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion. Et tu deviens complémentaire. Ah, je suis. Ah, nanana, je vais me défendre avec une chaise, bitch. Le mec, il fait, ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça après tout. Non, non, c'était une très mauvaise idée d'aller là-dedans. Toutes les portes sont fermées là, j'ai pas une. Sur moi, si là, oh la chaise elle se bascule toute seule. Comment ça pourrait marcher? Bah, c'est une clé, comment ça pourrait marcher? Hein non plus, elle va servir à quoi la clé? Attention, on va faire voler la chaise. Du coup, là, j'ai repère de sortir là. Bon, je me mets avec mon marteau là. Ah merde, je vais le ranger pour faire la porte. Non, j'espère que je vais pas le voir. J'ai peur. Moi aussi je crie. Y'a rien. J'ai essayé de foutre un coup de caillou, mais ça a pas marché. Du quoi, tu l'as vu le chien? Eh oui. J'ai essayé de foutre un coup de caillou, mais ça a pas marché apparemment. Il t'a couru après ou quoi? Après, il m'a sauté dessus. Non. T'es mort? Non, non, non. Ah, heureusement. Ah, il peut nous toucher plusieurs fois, mais je suis encore en vert, ma vie. Je suis en pleine. Au moins, t'as pris des painkillers. Bon, attends, je t'attends. Attends, moi je sais quoi faire du coup, enfin jusqu'à là je savais quoi faire. Ah non, j'ai la viande en conserve. Pour lui, tu fous par terre, tu te tailles. Non. Si. Où ça? C'est ça, ça la jug, la viande. Bah à mon avis ouais. Enfin pas vraiment. Et c'est peut-être un chien qui se cache derrière la porte. Ouais mais pourquoi il se cache le chien quoi? Office. Mais j'ai retourné dans la même porte là, il y a peut-être un autre truc là. Ah. Ouais, j'entends aussi un chien, je crois, derrière la porte. Là, on entend quand même le mec au-dessus de soi. Quoi. Putain, c'est quoi ce gros tonneau là? Non, ça me dit rien du tout là. Qui vaille? Ouais, bah, moi non plus. C'est quoi ce gros caillou là? Ça va nous servir à quoi hein? Oh putain, genre le mec arrive à porter un gros caillou comme ça. Oh, une toile d'araignée! Putain, il y a des toiles d'araignée. Oh putain! Quoi? Non, rien, tu verras. Oh putain! J'ai peur maintenant. Ah. Aïe. Non. C'est quoi ce bruit? Ah. Un chien mort. Qu'est-ce qu'il fout là dans une toile d'araignée? Oh non. Mieux. Oh non. Aïe. Non. Non 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 non. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu la l'araignée? Non non. Juste. Oh putain. Ah d'accord, c'est juste des tuyaux qui te brûlent quand tu passes et que ça fume. Aïe. Ouais c'est ça. Aïe. Oh j'ai crevé. Ouais moi aussi. Ouh, voilà c'est bon. Heureusement j'ai décaché sur moi. Moi aussi. C'est dangereux. Oh c'est quoi ce. Voilà. Ce bruit là. Vite, porte, vite, ferme la porte. Tu l'as vu la porte avec le cadenas, t'as fait comment pour l'ouvrir? Marteau. Ok d'accord. Moi perso, y a pas de monstre qui me suivait. Hein. Non, mais j'ai eu peur.
Attends, j'ai bloqué avec des caisses, moi. Putain. J'ai cru qu'à un moment, tu sais, ça tremblait. J'ai cru que le mec, la chose me suivait. Et ah ouais, moi aussi, ouais, j'ai vu que ça, quand ça tremblait. Ensuite, on va où? Là, je sais pas, là, je suis encore dans la pièce en train de ramasser les trucs qu'il y a. À mon avis, après, il faut aller soit trouver un autre passage ou quelque chose du genre, non? Mais ça sert à quoi ces grosses pierres à écraser les araignées là? Là, l'araignée tout à l'heure m'a fait sursauter. Les araignées? Où est-ce que tu vois des araignées? T'as pas vu une araignée tout à l'heure? Non. Putain, moi je suis arrivé dans la grotte, y'en a une qui m'a passé juste devant la tronche, c'est pour ça que j'ai sursauté. Ah, c'est des bébés. Ah, moi je croyais que c'était pas une araignée, moi. Tu crois que c'était quoi? Un rat, un gros rat. Non, c'était bel et bien une grosse araignée, tu vois. Bon, il faut ressortir du coup. Bah, ouais. Ça me plaît pas trop tout ça. Ouais, vas-y, prends le gros caillou. Si jamais ça t'arrive dessus, bloque-le. Attends, je save. Voilà, ah ouais, moi aussi. Le gros caillou, où est-ce que tu vois un gros caillou, toi? Ah oui, il y a un gros caillou. Ah, mais ces trucs-là de fumée, c'est un peu casse-couille, en fait. Hein. Mais ça te ralentit, le caillou. M'en fous. Aïe. Comment on fait pour remonter là-haut? Oh. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça fait des craquements dans le sol, là. Ah ouais, toi, c'est là, mais fais comment pour monter là-haut? Ah, peut-être un tonneau, ouais. Peut-être servir à ça, les gros tonneaux qu'il y a. Je suis pas sûr. Hein. Bah, si, y a un énorme tonneau qu'on peut dépasser, donc à mon avis. Ah bon? C'est pour remonter? Bah, je pense, non, je sais pas. Non. Oh, puis sur ce sujet-là aussi, je vais rajouter qu'il y a plein de modes et tout. Donc si vous jamais voudriez qu'on refasse des vidéos dessus, bah faut demander. Enfin, si j'ai le courage, hein, évidemment. C'est ça, ouais. Si on a déjà le courage. Voilà. Monte. Putain, je peux pas monter là. Vas-y, attends, je vais prendre un caillou. Que je vais me lâcher sur la gueule. C'est bon, je suis remonté. Si, prends un caillou en haut. Aide-toi d'un caillou après. Hein? Et toi, t'as d'un caillou après. Ah, mais j'étais baissé. Avec un caillou. Ouais, un caillou à côté. Tu sais, tu prends un gros tonneau, le petit tonneau qui est. Tu sais, qui roule là, quoi, tu pousses. Ouais. Et puis tu les places l'un derrière l'autre. Ah, c'est bon. Pour monter après en haut. Puis moi, après, j'ai rajouté un caillou pour sauter un peu plus ouais. haut. Ouais. Oh, y'a du sang là derrière. Oh non, arrête, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bah. C'est quoi cette musique? Non! Ferme la porte! Quoi? Il y a une musique qui fait peur là! Enlève-toi, musique! Tu me fais peur! Mais ferme, putain de porte! C'est la musique! Ouh, attends. C'est bon, c'est arrêté. Ah d'accord, oh, si tu double-cliques dans ton inventaire et tout, ça la jette le truc. Ça jette un truc qui fait de la lumière rouge là. Hein? Bon, c'est bon, la musique s'est arrêtée. Ah, je vais pouvoir allumer les lampes. Donc qui est le mec qui se masturbe? Oh, magnifique! Là. Bon bah le mec qui se masturbait s'est fait mordre le kiki. Pardon. Eh, tu sais, les lampes de torche là qu'il y a sur les bureaux, des trucs comme ça, il faut que tu les allumes avec ton briquet et le truc que t'as pris. Ah, d'accord. Eh, j'ai un crayon, je vais écrire partout. Ouais, moi aussi. Donc, alors, je vais prendre ça, j'en mets dedans. Non, ça ne colle pas. Ah, d'accord. Bon, bah, peut-être qu'il y en avait déjà dedans. Comment ça peut. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est glauque. Attends, le mec. Attends, tu regarderas bien en entrant, je te le dis parce c'est que bon, quoi, tu passes devant. Ouais, tu regarderas bien des dessins sur les murs. C'est quoi? Il y a des dessins sur les murs, je dis de faire un truc. Je sais pas ce que je tiens en main. Un truc hyper bizarroïde. Ah, t'as vu ou pas dans la pièce sous-tente où il y avait le mec là, qui était en train de faire des choses? Ouais. Eh ben, il y a des dessins sur les poutres et tout, tu regardes bien, peut-être que ça pourra nous aider plus tard. Ouais, et ça signifie quoi?
Bah, il y en a un où, à mon avis, ça signifie qu'il faut courir à côté des araignées et qu'il faut pas les affronter. Par contre, là, avec les ciseaux, le premier truc, je sais pas ce que c'est, on dirait un tampax. On dirait un tampax. Non, mais c'est vrai. Mais à mon avis, c'est pas ça. Parce qu'est-ce qu'on va faire? Ah, d'accord, en fait, il mange le tampax, après, il coupe le fil. Ah. Non, attends, c'est bon. Non, parce que je sais pas, il bave là. Oh là, mais c'est bizarre. Bon, bah, on verra bien. En tout cas, on aura besoin de ciseaux, à mon avis. On devra s'amputer peut-être. Ah attends, c'est la langue. Il s'est coupé la langue avec des ciseaux. Mmh. En fait. Ah c'est ça les beef jerky, non? Ah non. Ah non, mais en fait c'est pour ça tout à l'heure le mec on l'entendait pas parler. Ah. Il s'est coupé la langue avec les ciseaux en fait. Ah donc ça veut dire qu'il faut pas parler. Bon bah c'était. Non je rigole. Bon, c'est t'es sorti ou ah, pas? Ah mais elle a la langue. Ah mais c'est elle est géante cette langue. Quoi? Elle est morte. Vas-y, va dans la pièce juste à côté. Non mais tu me fais peur là. Ah mais tu vas voir la langue. Ah en plus tu peux la prendre. Ah c'est gore. Ah mais qu'est-ce que c'est fou là cette araignée. C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. Arneux. Elle a été éventrée. Mais c'est un taré le mec qui s'est fait trucider par un gros truc géant qu'on a entendu. Elle est où la langue? Bah devant l'étage là quand tu ouvres la porte. Hein? Sur l'étagère quand tu ouvres la porte à droite. Dans le pièce qui est à côté. Tu sais, t'es entré et tout, t'as vu les dessins. Bah, à droite des dessins, il y a une autre pièce. T'es entré ou pas? Ouais. Oh! Oh! C'est... Oh! En fait. Oh, c'est moi qui ai jeté un truc. Ah merde, j'ai oublié d'ouvrir les tiroirs. Je les avais pas vus. Quoique, je sais plus. Ouais, donc maintenant, faut faire demi-tour. Ok, donc. Je sais pas si t'as vu une langue. Hein. Ah, c'est peut-être ça ce que. À côté de l'araignée? Non, pas à côté de l'araignée, sur l'étagère en face quand t'ouvres la porte. Ah, mais c'est ça? Moi ouais, je suis déjà allé. Tu l'as pas vu la langue? Si, je crois que c'est ça que je tenais en main. Mais tu sais pas reconnaître une langue? ça ressemble un petit peu à une saucisse. Waouh! Ouais, si, je l'avais pris en main. Ah, ouais, c'est une langue! Bah, ouais, c'est. Ah, on dirait un pénis! C'est le pénis. Il a coupé son pénis. Mais non, il a coupé sa langue, c'est ça qu'il dit. Non, je suis désolée, c'est un pénis. Le non, pénis ensanglanté. Non, mais sérieusement, pourquoi il s'est coupé la langue? Ça fait peur, eh. Bande d'or. Hein. Bon, maintenant, faut sortir là-bas où il y avait un tuto. Je veux lécher les murs. On n'a pas de carte sur nous, des fois. C'est crade. C'est crade. À faire. L'entrée de la caverne s'est effondrée. Il doit y avoir un autre moyen de pour sortir, ok? Je trouvais une porte verrouillée au milieu de la mine. Ah bon? Ah oui, si, c'est vrai. Mec, il y avait le chien qui me suivait. Ah, mais j'ai une clé sur moi, là, ça doit être ça. T'as une clé? Ah ouais? Ouais, toi aussi, ah tu dois l'avoir. On l'avait ramassée en bas, je crois. Voilà, par contre, j'ai peur de retourner, de peur de croiser le waf. Ah, tais-toi! Un chien à moitié. Arrête! T'as ri. Moi j'ai plein de chiens chez moi mais ils sont pas si méchants que ça hein. Moi non plus. Oh la musique stressante. Attends vite la clé. Oui. Oh oui. Oh je suis trop fort. Mais je le vois, je pique une crise là. Non il est là. J'entends. Non. J'ai entendu un grognement sur ma droite. Je suis pas là hein. Je suis pas là, waf waf. Donc faut aller explosive, je sais pas quoi. Non, je vais pas regarder. Oh non. Ouais, j'y vais. Même des méfiles, non, je suis pas là. Il y a un trou. J'ai des frissons. Allez, la porte. Non. Vite. Ferme la porte. J'ai entendu le loup, c'est pour le chat, c'est pour ça. Vas-y, fous un tonneau devant là. Comme ça, il viendra pas. Ah merde! Bon bah, en fait, si, à mon avis, parce qu'après, tu continues de l'autre côté de la mine. Du coup, bah là, il peut quand même nous rejoindre par là. Oh non! Je l'entends, il est où? Je l'entends, mais tout près de moi, quoi, c'est abusé. Non, arrête de crier, loup. Chien, loup, chien. Non, c'est locked.
Ça, j'ai mes jambes qui glagla. Donc, explosive là-bas. Ah, là-bas, il y a des explosifs. On va peut-être pouvoir tuer le chien. Merde. Ah, il est là-bas derrière la porte, je le vois. Heureusement que j'ai bloqué la porte. Ah, il essaie de défoncer la porte. Non. Reste sous tes... Il essaie de défoncer la porte, le chien. Non. Ah, il a défoncé la porte. Non, je suis pas là. Je suis caché. Il m'a pas vu. Non. Va-t'en. Il a défoncé la porte, j'ai pas cru. Il est costaud, ce chien. Ah, tu m'étonnes. Merde. Attends, mais il est bloqué, je crois. Et il faut... Il m'a vu. Non. Ah, moi j'arrête. Ah non, moi je dis stop, je veux pas continuer. Il peut pas me choper, je suis sur une caisse. Il peut pas me choper, je suis sur une caisse. Ah mais tête de cochon, ce chien. Tiens, vas-y, bouffe la viande, le chien. Eh, hey, mais attends, je lui pense la viande, il s'en fout. Mais il y a de la viande là, par terre, mais... Chien, là. Tiens, mange. Aïe. Ah merde, il m'a fait tomber. Vas-y, bouge. Non mais, vas-y, casse-toi, mange le caillou. Merde, j'ai un freeze là. Non, c'est bon. Mange le caillou, le chien. Non. Heureusement qu'il a pas sauté. Vas-y, je vais t'écraser la tronche. Merde. Bon. Je vais devoir... Courir. Cours. Vite. Là, il y a de la TNT. Vas-y, mange, bouffe. Connard, bouffe, bouffe, saloperie de chien de merde. Oh, je suis pas là. Oh, c'est quoi? What the hell? C'est quoi ce truc? Non, le chien. Mais attends, mais il me fait peur, le chien là. Hop, là, raté. Tu m'auras pas. Vas-y, je t'aveugle avec la lumière. Oh. Voilà. Non. Oh putain, il a poussé le saut de la TNT. Putain, mais il est plus que ça a eu que ce chien. Il est où ce TNT là? Cours. Bah dans la salle explosive vers la gauche. Il y a une carte quand tu passes la porte. Cours. Merde, j'ai fait le tour. Eh, on peut s'essouffler ou pas dans le jeu? Ah, il y en a un autre de chien. Genre, voir c'est le même qui a continué tout droit comme un gogol. C'est bon, il a arrêté, monsieur. Où est-ce que t'as trouvé des explosifs? C'est ça? Ouais, il y a sur TNT, mais je peux pas l'allumer avec le briquet. Je voulais tuer le chien, en espérant que j'ai la vie sauve, comme j'étais juste à côté. Le chien, tu ne me vois pas. Mais moi, il m'a vu quand j'avais porté un caillou. Attends, je suis où, là? Ah, donc je suis à workshop. Ok, d'accord, pour mâcher quoi, des armes? Mais oh, si on est sur des caisses, il peut pratiquement pas le choper. Mais où est-ce qu'on trouve le string là? Les strings? Qu'est-ce que tu veux faire avec un string? Ouais, faut trouver un code pour le workshop. Un code. Explosive book. Ah, 19... Bah non, pas 1923. Blablabla, je suis en train de lire, ça se trouve dans les... T'as à mon avis la vidéo va durer longtemps là. T'es allé au petit loin ou quoi quand t'avais essayé le jeu là au début? 1863, c'est peut-être ça. Non. Là y'a un trou là. Ah non, en fait y'a rien dedans. Bon. On peut pas entrer. Qu'est-ce qu'elle fout là cette roue là? Merde, pas. Oh merde. J'ai plus de jerky food. Merde, il est là-bas. Non, je ne suis pas là, connard. Je ne suis pas là. On va voir. Eh mais à vrai dire, c'est vraiment un chien débile d'un côté. Hein. Il est peut-être fort, mais débile. Parce que là, je suis juste à côté de lui, limite, et puis il me voit pas. Mais le truc là, c'est que je suis un petit peu coincé, quoi. Donc il est peut-être débile, mais il est chiant. Ah. Parce qu'il faut que j'aille là-bas, mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire là, avec ce chien-là. 1863. On peut... Oh. Ah non. Chien, il fait un bruit bizarre quand même. Hein. J'ai jamais vu un chien qui faisait un bruit comme ça. Hein. Ah, je sais comment trouver le code. Ah non. Non. Non, je sais pas, non. Ah d'accord. Mais putain, faut le trouver. Oh là là.
Oui, ce qu'il est. De toute façon, on verra pour faire des petites coupures ou pas quand on mettra trop longtemps. Hein. Ouais. On verra bien. On va couper juste les amis pour trouver le code et puis on se retrouve après. À tout de suite. Tout de suite.